Déclaration du mouvement national congolais, MNC en sigle. Nous, Congolais vivant en République démocratique du Congo, déclarons avec consternation la xénophobie faite par nos compatriotes congolais face aux Congolais vivant en Inde. Nous avons vu des images montrant comment la police indienne traite inhumainement nos confrères congolais vivant en Inde, d'autres pour les études, d'autres pour les soins de santé, d'autres pour le commerce, etc. C'est pourquoi nous exigeons la fin immédiate de cette ignoble pratique xénophobe. 2. Nous exigeons au gouvernement indien de présenter des excuses au peuple congolais dans moins de 72 heures. 3. Nous demandons au peuple congolais de s'unir comme un seul homme pour la réussite de ce combat qui pourra sauver nos compatriotes congolais qui sont en danger permanent en Inde. 4. Nous demandons à la diaspora congolaise de soutenir notre lutte au sein du pays ainsi qu'à l'extérieur du pays. 5. Nous demandons au gouvernement congolais de se prononcer face à cette situation si grave. 6. Après les 72 heures, si rien n'est fait par le gouvernement indien, nous allons jouir de notre droit de réciprocité. Je vous remercie. Ok. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le chômeur. Vous êtes qui ici? Moi, je suis Mumbere Bwanapua. Je suis l'un des notables de la province du Nord Kivu. Je suis membre du mouvement citoyen MNC, comme vous le voyez. MNC, cela veut dire Mouvement National Congolais. C'est un mouvement citoyen. Okay. Qu'est-ce qu'on peut retenir l'essentiel de votre déclaration que vous venez de rendre publique aujourd'hui? Nous sommes en train de faire une déclaration face à une situation si grave qui est en train de se passer, surtout dans la République indienne. Je crois que nous avons des relations diplomatiques, je crois, de bonnes relations diplomatiques avec l'Inde, parce que nous vivons avec des Indiens et les autres sont en train de faire des commerces ici. Les autres sont ici pour autre chose, je crois, vous voyez, d'ailleurs, les autres sont en train d'œuvrer dans la MONUSCO. Et nous, ce que nous voulons, c'est que nous soyons en bonne relation avec l'Inde. Mais quand nous avons entendu et suivre des images, et on est en train de voir un policier battre sérieusement un Congolais, et nous nous sommes dit, non, ce n'est pas possible. Un Congolais ne doit pas être battu en Inde et puis nous protégeons un Indien ici en République démocratique du Congo. C'est pour dire, si les Indiens qui vivent en Inde peuvent vouloir voir des images d'un Indien en train d'être traité inhumainement ici au Congo, nous allons le faire.
Mais je crois que nous devons d'abord recourir sur la question de savoir quelles sont les relations, quelles sont les bonnes relations avec qui nous avons avec l'Inde. S'il n'y a pas de bonnes relations, notre gouvernement doit nous expliquer. Et sur ça, qu'est-ce que vous avez recommandé au gouvernement indien ainsi qu'au gouvernement congolais, vous en tant que mouvement? D'abord, notre recommandation, ce n'est même pas une recommandation. Nous exigeons au gouvernement indien de présenter des excuses au peuple congolais. Et surtout, ce qui est en train de se passer là-bas, si nous pouvons le faire ici, je sais que le peuple indien sera trop énervé. Mais je sais que, comme nous sommes un peu, nous connaissons Dieu, nous faisons des choses. Et s'ils veulent que cela puisse se faire, nous allons le faire aussi ici en République démocratique du Congo. Le faire, c'est-à-dire s'attaquer aux Indiens? Le faire, ça signifie quoi? Ici, le point 6, après les 72 heures, si rien n'est fait par le gouvernement indien, nous allons jouir de notre droit de réciprocité. Cela veut dire que... Donc, d'abord, vous lancez un ultimatum de 72 heures. Oui, de 72 heures. Si vous ne trouvez pas guère des causes, ouais, vous allez vous apprendre aux sujets indiens qui sont au Congo. C'est ça, si je comprends bien. C'est ça. Oui. C'est ça. Et si, dans les 72 heures, si le gouvernement indien ne présente pas des excuses face au gouvernement indien et face à la population congolaise, nous allons nous attaquer aussi au peuple indien qui vit ici en République démocratique du Congo. C'est ça l'essentiel. Est-ce qu'à part les excuses que le gouvernement indien va présenter au peuple congolais comme vous l'exigez, est-ce qu'on peut dire que ces excuses suffisent au moins? Non, jusque-là, les excuses ne suffisent pas. Parce qu'ils doivent d'abord, un, dédommager tous ces gens qui ont été tués dans des cachots en Inde. Des personnes qui ont été fouettées, ils doivent toujours être dédommagés. Et à plus de cela, ils doivent extrader d'ailleurs les cadavres de nos compatriotes qui ont été tués là-bas en Inde, les extrader jusqu'au Congo. Parce que ça, c'est notre sang. Et si nous voulons nous attaquer aussi contre les Indiens qui vivent ici au Congo, c'est parce que nous sommes vraiment indignés. Nous sommes en train de présenter notre indignation. Parce que ce qui se passe là-bas, si nous pouvons le faire ici, nous pouvons. Nous avons la force, nous avons la capacité et nous avons tout le courage de le faire, tout le courage de le faire ici, mais, en République démocratique du Congo. Mais monsieur, vous savez que chaque pays a ses lois, et des lois qui doivent être respectées. Est-ce que vous avez vraiment pris le temps avant de rendre public ces communiqués, de se renseigner? Pourquoi ces Congolais ont été fouettés? Vous annoncez également quelques cas de mort. Est-ce que vous avez vraiment pris suffisamment de temps de savoir pourquoi ces gens ont été victimes de ce qui s'est passé en Inde? D'abord, je crois que nous sommes signataires des traités de Rome. Un traité qui dit qu'il faut respecter les droits de l'homme. On peut le respecter quand il y a violation. L'Inde aussi, c'est un pays signataire du traité des droits de l'homme. Cela veut dire quoi? Si quelqu'un est arrêté dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel genre de crime, soit il a enfoncé aux lois de l'Inde, on doit l'arrêter et l'amener au cachot. Mais pourquoi fouetter jusqu'à ce point? Pourquoi aller jusqu'à la mort dans les cachots? Pourquoi? C'est ce que nous voulons. Nous voulons des explications. L'Inde doit nous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Un étudiant est-il devenu criminel? Est-il devenu terroriste? Est-il devenu jusqu'à être fouetté jusqu'à ce point? C'est pour cela que nous sommes en train de vouloir que l'Inde puisse nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce point. C'est ce que nous voulons. Et si dans 72 heures, l'Inde ne nous présente pas des explications, aussi des excuses, nous sommes prêts à faire une réplique. Car on dit qu'on ne répond qu'à la terreur, à la terreur. Et si l'Inde veut nous terroriser ici, en Inde, nous allons aussi terroriser l'Inde ici, on sait du pays. Nous sommes dans notre pays. Vous annoncez certainement des violences envers les sujets indiens qui sont à Goma. On a suivi la semaine dernière à Kinshasa. Il y a certains Kinois qui se sont
pris au magasin indien, même aux Indiens, on peut dire que ça sera le même mode opératoire qu'à Goma. Je crois que si l'Inde ne veut pas vraiment présenter des excuses face au peuple congolais, ça sera toujours la même chose jusqu'ici à Goma. Et je ne veux même pas le dire que ça sera seulement pour Goma. Je suis en train de demander à tous les Congolais, partout où un Congolais vit, même dans la diaspora, ils doivent savoir que nous avons aujourd'hui un ennemi qui s'appelle Inde. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas tuer un Congolais comme ça, à plein air, et des images sont là, je crois que vous avez vu vous-même. Et le faire à plein air comme ça, tuer un Congolais, et puis nous allons nous taire. Ça, c'est aussi sacrifier nos frères, c'est sacrifier son propre sang. Et donc, si aujourd'hui je suis malade et que nous savons qu'en Inde, il y a des vrais médecins qui peuvent me soigner et que je sais qu'en Inde, on est en train de tuer des Congolais, comment j'aurai le courage d'aller en Inde pour me faire soigner? Et donc, c'est pour cela que je suis en train de demander. Même, je demande, nous demandons, c'est ce que je suis en train de dire, nous demandons à la diaspora congolaise de soutenir cette lutte. Nous demandons aux Congolais de s'unir comme un seul homme pour que cette lutte puisse, pour que nous puissions concrétiser ensemble cette lutte. Monsieur Rotando, vers la fin de cet entretien, oui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les mouvements citoyens viennent de déclencher une guerre contre l'Inde? Je crois que, étant d'abord un mouvement citoyen, nous sommes une population congolaise. Nous sommes un peuple congolais. Nous sommes le sang congolais. Et si nous sommes en train de le dire ici, nous sommes en train de le dire parce que peut-être d'autres mouvements citoyens n'ont pas voulu le dire. Mais nous sommes là, nous sommes prêts à déclencher une guerre contre l'Inde. Et si l'Inde veut faire une guerre contre nous, d'ailleurs l'Inde l'a déjà commencé et nous devons répliquer. Je crois que si l'Inde ne veut pas faire une guerre contre nous, je crois l'Inde ne doit que présenter ses excuses contre les Congolais et extrader les cadavres de ces gens qui ont été tués en Inde par la police indienne. Et tous ces cadavres-là, nous devons les voir ici au Congo et être enterrés sur le sol de sa patrie. Pourquoi seulement vous, c'est-à-dire mouvement citoyen MNC, pendant qu'on sait que il y a certains mouvements citoyens qui sont là, il y a la société civile, il y a des partis politiques, pétocoquiers, qui auraient, si je peux les mettre comme ça au conditionnel, quelqu'un ou bien certaines personnes qui seraient derrière vous. Je crois que nous sommes un mouvement citoyen, nous sommes organisés, et que je dois vous dire une chose, il n'y a personne derrière nous. Personne. Nous sommes autonomes, nous sommes le peuple congolais, nous voulons sauver notre patrie, nous voulons sauver nos compatriotes qui vivent en Inde. Le reste des Congolais qui vivent en Inde, je crois que c'est de notre lutte qui doivent être sauvés. Donc on peut dire que c'est un esprit patriotique qui vous anime, c'est ça? Notre devise, c'est le patriotisme, la diplomatie et la bonne gouvernance. C'est ça notre devise. Et donc, nous sommes animés par le patriotisme, d'abord, et nous voulons que notre diplomatie puisse aller de l'avant et la bonne gouvernance au sein du pays. Alors, pour finir, parlons également, parce qu'il s'agit de l'actualité également, c'est dans ce même sens. Vous le savez également, vous l'avez évoqué même dans votre déclaration, qui est au moins grande. Il y a la grande partie des sujets ou bien des casques bleus indiens qui sont aujourd'hui dans la MONUSCO, dans cette mission onusienne au Congo, et que du coup, on trouve cette coopération, cette relation-là indienne entre donc, la RDC et l'Inde qui semble être jouée. Comment vous analysez cela? Et pourtant, on voit ces casques bleus, surtout en grande partie composés d'ailleurs par la MONUSCO. Je sais que si on peut parler de la MONUSCO, mission d'organisation pour la stabilité du Congo, d'organisation des Nations Unies pour la stabilité du Congo. Je crois qu'un Indien ne peut pas venir de l'Inde pour venir nous stabiliser ici, pour venir chercher la paix pour nous. Et puis, on trouve qu'un Indien, un autre qui est resté là, en train de tuer les autres Congolais. Quelle stabilité il est en train de chercher?
Y a-t-il une stabilité là-bas? Mes chers compatriotes, y a-t-il une stabilité? Non. Je pense que s'il y a quelqu'un qui est venu avec son arme dire que je cherche la stabilité des Congolais, je crois qu'il doit d'abord protéger un Congolais qui vient de se cacher quelque part. Mais il y a des Congolais qui vivent en Inde, qui sont en train d'être massacrés là-bas. Et puis, un Congolais qui se dit qu'il est dans la MONUSCO ici, venir nous protéger ici au Congo. Moi, je ne comprends pas ça. Ça, c'est une tautologie, apparemment. Ouais. C'est une confusion. Ouais. Je pense que si un contingent indien est venu au Congo, c'était pour venir nous protéger, nous les Congolais, face aux atrocités qui sont en train de se passer et dans la République et surtout fait, dans l'Est. Ça s'est fait, cette protection, c'est là votre analyse? Je ne suis pas en train de dire que les Indiens qui sont venus ici sont venus nous protéger. Parce que je comprends que peut-être c'est ça le flatterie qu'ils sont en train de faire. Mais je ne comprends pas quel genre de protection ils sont en train de faire face à nous. Parce qu'il n'y a aucune protection. Eux ne vivent que dans leur base et nous sommes en train de souffrir. Allez voir à Ben, qu'est-ce qui se passe? Allez voir à Nitour, qu'est-ce qui se passe? Au sud que vous, à Minembwe, vous voyez, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a quand même des avancées déjà. Je pense, je ne vois pas. Peut-être vous pouvez voir les avancées, mais je ne peux pas dire qu'il y a des avancées quand on est en train de tuer mes confrères en Inde, jusqu'ici. À Beni, on est en train de tuer les gens, des véhicules. On est en train de nous rendre pauvres. Si quelqu'un ici, on fait le commerce par des véhicules, par de, je ne sais pas quoi. Mais quand on veut brûler des ADF qui sont en train de brûler des camions qui portent des marchandises, et les camions et les marchandises, tout, hein, ça va s'assévelir dans des camions comme ça. Et pour nous, c'est une chose. D'ailleurs, c'est une honte pour notre République. Donc ça explique la faiblesse du gouvernement congolais, c'est ça? Je suis en train de vouloir le dire, mais je ne veux pas exprimer la faiblesse de notre gouvernement. Moi, je veux que notre gouvernement soit fort. Et c'est ce que je suis en train de recommander à notre gouvernement. Je veux que notre gouvernement soit fort et qu'il montre et qu'il présente ses capacités. Je sais que nous sommes forts. Alors, dernière question pour finir. Merci. Certainement, vous avez annoncé de s'apprendre ici une fois votre ultimatum que vous venez de lancer expirer. Ça qui est une suite favorable. Donc, que certains sujets indiens, par exemple, les commerçants qui sont ici, médecins, juristes, infirmiers et le reste. Est-ce que les sujets aussi, ou bien les contingents indiens qui sont dans la MONUSCO peuvent craindre de cette sortie? Et ou bien, si à Notre-Dame, pensez-vous s'apprendre aussi à la MONUSCO, ou bien au casque bleu de la MONUSCO qui sont constitués bien sûr, par les Indiens? D'abord, la première chose que je vais demander aux Indiens qui vivent au Congo, qui vivent en République démocratique du Congo, je leur demande d'abord à eux présenter des excuses devant tout Congolais qui vont trouver devant eux. Ça, c'est d'abord la première chose. La première des choses, avant que le gouvernement congolais, le gouvernement indien ne puisse présenter des excuses. Je demande à tous les Indiens qui vivent au Congo de présenter des excuses devant tout Congolais qui sera présent à face. Je suis en train de vouloir dire quoi? Nous avons beaucoup d'Indiens ici que des Congolais qui vivent en Inde. Nous avons envoyé des élèves là-bas, des étudiants aller étudier en Inde, peut-être parce que nous voulons que la médecine puisse s'élargir ici sur notre République. Mais s'ils voient que ces relations ne sont pas importantes, Inde et la République démocratique du Congo, je crois que nous sommes d'accord. On peut les couper, on peut les casser, on peut les rompre sans problème. Ça prend dans la MONUSCO. Ça prend à la MONUSCO, ça prend à tous les Indiens qui font la commerce ici, ça prend à tous les Indiens. Nous sommes en train de parler de l'Inde en général. Et tout Indien qui vit au Congo doit savoir que nous sommes là. Et si cette pratique continue à se faire en Inde, nous allons le faire de la même chose ici, en République démocratique du Congo. Merci, M. Eric, de nous avoir accordé cet entretien. Merci, M. le journaliste.
tunataka kuambia wa kongomani wenzetu ya kwamba sisi wa kongomani ambao tunaishi ndani ya inji ya Republic Democratic du Congo ni kusema kwamba tunasumbuka sana na hiyo wenzetu wanapatwa na misiba mingi ndani ya inji ya end ikiwa watu wengi wanaanza kufa kule, wengine wanaishi kule kama wafanya biashara, wengine wanaishi kule kama wanaofanya walienda kule kutunzwa, na wengine wanaishi kule kama wanafunzi, na wengine wanaishi wengi wanaishi kule wakongomani. Na kwa hiyo tunataka kuambia inji ya end, tunataka kuambia kama hawataki kuwasaidia wala kufanya kulomba huruma kwa wakongomani wengine ambao wanabaki, na kusema kama haiko vile tutaona gisi ya kurudilia nasi huku, sababu tunaishi na wa India wengine ambao wanaishi hapa, na kama itaendelea vile tutasema na sisi tutafanya vile vile wanaofanya kule India zidi ya wakongomani. Na kwa hiyo nadhani kama hivi tuko tunasikilizana na wa India, nadhani kama tuko na ma relation diplomatique na ende za mzuri, na kusema hivi wanavyo wafanya wa kongomani ambao wanaishi ndani ya India, na sisi tunaweza tukafanya vile zidi ya wa India ambao wanaishi huko Kongo. Nadhani ile inatosha. Merci. Kabla kuweza kuandika vibarua kama na hivi na kuweza kutishia kufanya vitendo viovu dhidi ya raia hao wa India, nadhani kama tuna ubalozi mzuri zidi yetu sisi wa kongomani na wa India. Lakini kama hiyo inatokea, ni kusema tulituma vijana wetu waende wakasome, tulituma wengine waende wakatunzwa, wengine tuliwatuma waende wakafanya biashara, ni hivyo nao wanaishi hapo Kongo. Ni kusema kama kuna shida kati yetu sisi na wa India, ni kusema wao wa India wanataka vitu vingine, sababu sisi tunaishi vizuri na wa India hapo Kongo, na kama wao hawataki kuishi vizuri na wakongomani ambao tuliwatuma kule India, ni kusema wanataka nasi pia tufanye vita hapo na wa India ambao wanaishi hapo Kongo. Lakini Eric Bonko, nadhani kwamba ikiwa mtaingia katika harakati za kuanzisha vita haitaleta kwamba hali idorori kati ya India na Kongo, licha kuwa bado imeshaanza kudorora. Najua kama tunaishi hapo na wa India vizuri, wanafanya biashara, wengine wanachimba hata madini, wengine wanafanya vitu ambavyo wanataka, wengine wiko kwenye MONUSCO, wengine wako kwenye sijue kazi mbalimbali. Lakini kama sisi tulienda huko India kusema na sisi tufanye biashara, wengine waende wakasome, wengine waende wakafanya kazi mbalimbali, ni kusema kama tuliishi na kati ya amani na usalama. Na kama tunataka kusema tuko tayari kufanya na vita na wa India, ni kusema tunataka kuwaomba wakongomani wenzetu wakubwa wakuu viongozi wa inji, tunataka kuwaomba waje wakatusaidie, watuambie kweli kweli kama kuna kweli usalama ndani ya ubalozi wala kama hakuna tena, sababu tunataka tujue ukweli ya mambo, sababu tuliona wa polisi tuliona wa walinda amani huko India wanapiga vibaya wakongomani na wanataka kuwafanyia vibaya, na wengine walikufa huko ndani ya gereza. Na tunataka kuambia kwamba sisi hatutaki vita na wa India, na ndio maana tunawaomba waombe huruma wakongomani, waombe huruma serikali yetu ya Kongo, sababu hatutaki kufanya vita, na kama kweli wanataka vita ifanyike tuko tayari kuifanya. Nyinyi ni vuguvugu tu. Ndio. Serikali yenu imefanya nini? Serikali yetu haijasema mpaka pale, na ndio maana tunataka kuomba serikali ijiprononce, serikali iseme mbele ya wakati, surtout ndani ya kibarua hicho tunaandika ndani ya ikue na enea septembre desert, ni kusema siku tatu serikali yetu na serikali ya India ikuwe imewaomba huruma wa kongomani yote. Ndiyo.